On a une super équipe, on a une super ambiance, des produits naturellement gourmands, avec des produits majoritairement français. On est sur des produits faits maison, avec des ingrédients sourcés, que je m'efforce de vérifier au quotidien. Tu peux trouver une délicieuse gaufre juste devant toi, une gaufre bâton, qui est avec un dressage assez sympathique. On est vraiment sur une gaufre qualitative. J'ai travaillé sur la recette pour proposer quelque chose de vraiment gustativement bon, d'accord, avec un dressage assez léger. On va te mettre des petits toppings sur le dessus de la gaufre. Déjà, les toppings sont sourcés, d'accord. On est sur des toppings de qualité. Et en plus, tu vas pouvoir avoir vraiment le goût de la gaufre, puisque la gaufre est bonne en elle-même. Ensuite, tu vas pouvoir trouver un cake un peu revisité. Alors ça, c'est une idée aussi de Noémie, qui est pâtissière chez Sweet Bazaar. Un cake enrobé, revisité, cake fait maison, bien évidemment. La recette qui change au fil des saisons, avec un dressage assez sympathique. Toujours avec ce lien un peu dressage à la chef, en fait. Un peu déstructuré et dressage minute devant le client. Les glaces ont beaucoup de succès également. On va être sur une base de palétina, glacée pareil, qualitative, sourcée à la base et avec un dressage toujours un peu à la façon street food revisité, avec différentes sauces maison. Toutes les sauces qu'on vous propose sont faites maison, la pâte à tartiner est maison, etc. etc. Également un délicieux chocolat chaud maison avec une chantilly maison. Et des tablettes de chocolat, comme tu peux le voir, qui sont réalisées et moulées devant le client, à la demande du client. Donc en fait, on a une base soit de chocolat au lait, soit une base de chocolat noir. Nous sommes sur des chocolats cacao barry, donc de qualité, qui ont un bel équilibre et une belle puissance de chocolat en bouche, et sur lesquels on vient déposer les toppings choisis par les clients.